Yo, la fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard TV depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Je dis à nous pas développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard Police, équipe Bombard TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois visiter nous, information nous partageons intéressé, pas oublier abonner avec Bombard TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard TV. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. On ouais. Directeur général du Népa Guito Edouard visite mercredi 22 avril là, travail station pompage tabac 68 là. Objectif visite ça, c'est pour constater qui j'ai travaillé avancé. Côté yon parti dans projet ça déjà opérationnel d'après responsable direction nationale de l'eau potable et assainissement yo. Et l'autre information nous gagne pour vous, lundi 20 à mardi 21 avril là, citoyens dans commune Pétionville et commune Tomaso recevoir kit alimentaire dans cadre opération porte à porte là. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a pas commencé coulier à travers station pompage tabac 68 là, 8 fourrages qui trouvé yo dans quoi des bouquets à zone peignée pral alimenter réservoir Vivi Michel là qui en construction avec des réservoirs dans Delma 33 zone silo. Malgré travail ça yo pour arriver dans boutio, yon parti dans projet ça déjà opérationnel. Sur 8 fourrages que nous équipés dans zone noire et quoi des bouquets, nous avons mis 4 en service qui a une capacité de production qui peut évaluer à 6000 m3 d'eau. Et que pour nous arriver dans la station de pompage ça, qui est une station de transition avant que nous arrivions dans le réservoir silo. Donc nous sommes capables de nous pour nous sortir dans la zone noire jusqu'à arriver à silo. Nous avons traversé 14 km de canalisation. Donc, de Noailles à point ça que nous sommes là, nous avons à peu près 10 km. Et puis de là à Silo, nous avons encore 4 km de canalisation pour ça. Donc, nous sommes capables de nous arriver poser dans 14 là, 10 km, puisque 4 km là existent déjà pour nous être capables d'alimenter. Donc là, en deux stations de pompage, ça, qui est une station qui peut permettre que nous repomper vers le réservoir Silo, nous allons mettre graduellement tout pompier en service, mais présentement nous avons deux pompes. C'est des pompes de 200 kW que nous avons là. Et puis nous avons d'autres pompes tout qui font 90 kW. Mais particulièrement pour les pompes qui peuvent alimenter le silo, c'est 90 kW. Qui après recevoir l'électricité de groupe électrogène SAO qui fait 800 kW. Donc nous allons arriver à pomper débit que nous produisons pour nous arriver dans le réservoir là, pour nous capables plein réservoir là, au moins deux fois par jour, en plus de forage T que nous capables qui existait déjà. Donc non seulement avec installation ça, nous capables remplir deux fois par jour. Si nous arrivons à distribuer dépendamment de besoin, avec forage T, il y a une possibilité pour nous capables faire d'autres transpirsages. Projet ça va augmenter la quantité de l'eau qui était déjà gagnée sur ensemble réseau qui dans la région métropolitaine. Il y a 6000 mètres cubes d'eau qui va le distribuer chaque jour à travers des réservoirs qui dans la localité silo. Ça qui va permettre plus passer 100 000 personnes dans plusieurs zones dans Delma. Actaba joindre de l'eau si tout pendant la période coronavirus là. Sous 32 000 mètres cubes d'eau par jour que nous prévoyons, mettez 6 000 mètres cubes d'eau par jour pour nous alimenter, eh bien, deux réservoirs silos. Réservoir silo ça yo, chaque réservoir ça yo gain 1500 mètres cubes d'eau, yo capable plein deux fois par jour, eh bien, avec ça, moun qui dans zone Delma 34, moun qui dans zone Delma 71, eh bien, moun tout qui au niveau de route frais, la bonne nouvelle, c'est que groupement pral installer, eh bien, deux, trois lots appareils dès la semaine prochaine pour techniciens dîner par au niveau de la région métropolitaine, commencer à faire des interventions pour nous capables de colmater fuite, eh bien, pour nous faire que, eh bien, moun qui dans zone ça yo Vivi Michel, moun qui dans pépinière, moun qui dans route frais capable commencer bénéficier de service là. Ce groupement Enkatema Soeco cap exécuter projet ça qui joint financement l'agent Banque Interaméricaine Développement BID. Pour permettre population à continuer faire face à la pandémie COVID-19 là, habitants dans commune Tomazo ak dans plusieurs localités commune Pétionville parmi yo Mali Tedlo ak Pigiville recevoir manger dans cadre opération porte à porte là lundi 20 ak mardi 21 avril là.
ancien député Thomas Zoa Price Cyprien salué démarche là pendant lui souhaiter président continuer accompagner population. C'est un bail qui assez intéressant pour nous. Pour nous en dans Thomas Zoa et je dis que et opération porte à porte là que le président a déclenché il y a quelques temps dans le cadre des questions coronavirus là, nous son plaisir pour nous pour arriver la caille nous dans commune nous Thomas Zoa. N'a mettre les moyens nécessaires pour nous capable arriver joindre tout le monde parce que le président dit fort ratio ça arriver joindre monde qui plus nécessité et premier ministre te dit dans interview li je pense que nous-mêmes en tant que leader dans zone nord faut nous faire le nécessaire pour nous réunir avec toute kazek yo tout azek yo pour nous faire que ratio ça arriver joindre monde qui plus pauvre monde qui plus pas capable. Citoyen yo féliciter président république là pendant yo déclarer manger ça pour le permettre yo aller en souffle. Moi saluer courage président, saluer courage première dame non. Et tout gouvernement en général, premier ministre Joseph. Donc normalement nous ouais qui décrété la permanence, Jacques président dit là pour que tire restant livre jeune peuple là. Moi même j'en fait là. Parce que bagarre des ordres, tout bagarre passé dans l'ordre libre comme ça. Nous remercions président pour ça le faire. Moi premier c'est président Jovenel qui pensait avec leader communautaire pour lui faire distribution de manger pour qu'il arrive dans l'assiette peuple là. Nous disons président, c'est une belle initiative et nous remercions l'empile et pour toujours penser avec leader communautaire pour arriver sur le peuple là. Responsable, il y a garantie, distribution va continuer à venir une population sur tout le territoire national là. Coronavirus, pas seulement porté à l'évier monde, mais tout l'a gagné gros conséquences sur l'économie. Dans la perspective sa autorité fiscale, et spécialement à travers la direction générale impôt, prend plusieurs mesures pour alléger les contribuables dans l'accomplissement de l'obligation fiscale. Sur le plan économique, il a déjà causé un manque à gagner pour l'État. Qui n'est pas venu payer comme à l'ordinaire, côté que nous, l'État lui-même, les autorités fiscales, ont essayé, ils ont une situation, ils ont pris des précautions aussi depuis au préalable pour être capable d'arriver effectivement et gérer la question, où ils ont eu une sorte de moratoire, ils ont eu un allègement fiscal. Directeur général DGIA, Miradin Morlan, invité contribuable à passer dans différents bureaux DGI dans tout le pays pour répondre à l'obligation fiscale avant 30 juin. Contribuable qui a gagné du 1er octobre au 31 mars pour le TPN pour locatif, il a prolongé la date jusqu'au 30 juin, d'accord, il est capable de payer, mais ça n'a pas dit pour autant, toujours prendre précaution pour me dire, ça n'a pas dit pour autant pour attendre le 30 juin pour venir payer. Direction générale impôt, c'est une institution qui a pour recevoir taxes et impôts pour aider le pays à avancer. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'être capable de dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.